Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Akai et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Stellaris avec les êtres humains. Donc sans tarder, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va construire d'autres corvettes parce qu'il faut absolument qu'on se débarrasse des pirates à Procyon. Et après il va falloir que l'on essaie d'explorer un petit peu par ici. Et dans les étoiles du nord, là. Là, on a des aliens hostiles. Dommage, le système est quand même super intéressant. Sirius, il faudra le développer. Débris dans Procyon. Et ça, il faut un vaisseau scientifique. Le problème, c'est que le vaisseau scientifique. J'ai un vaisseau ici, McCampbell, qui fait rien. Donc, on va le développer ici. Je vais voir s'il y a toujours les aliens ici à Elnat. On va accumuler les crédits assez rapidement. Je vais essayer d'avoir un vaisseau de colonisation pour développer une nouvelle planète sur, autour du Sirius. Ma flotte là, est-ce qu'elle peut attaquer cette base? Research complete. Construction complete. Construction complète sur la Terre. Il y a une recherche entière. Bon, nouvelle recherche, on va prendre. Blindage, on va prendre le blindage, ce sera utile les blindages, si on veut faire la guerre. Tout le temps on va devoir la faire, hein. On va pas se mentir. On va construire une corvette, non pas les Friedrich, pour l'instant elles sont pas terribles, elles sont plus chères et elles sont moins efficaces. On va construire pour l'instant les camels. Ah! Elnat, là, ici, on a... C'est pas habitable. C'est un monde arctique, mais... Il est potentiellement... Recherche de l'anomalie. Ah, des précurseurs, les mystérieux précurseurs. Étudions ça. 22% de risque d'échec, par contre. Construction complete. Là, on a... On va essayer quand même de négocier un peu de diplomatie. On a une négociation avec le Baki Commonwealth, on va essayer de communiquer avec eux, on va leur dire établir une ambassade. Parce que j'ai oublié un peu le détail de la diplomatie, mais quant à l'autre du Nord, on va essayer de communiquer pour une ambassade. Non, c'est pas une ruse, pour l'instant on n'a pas envie de se battre contre vous. Même si vous êtes des impérialistes hégémoniques. Et les démocrates du Nord là... Ils n'aiment pas parce qu'on est esclavagiste et on est xénophobe. Ah, j'ai pas montré ça, le gouvernement. On peut choisir nos politiques. L'esclavage, déjà, premièrement, seulement pour les aliens. Voilà. Faut dire que... On n'est pas très friand d'asservir nos propres... La purge, c'est interdit. On va pas exterminer des peuples. Même s'ils sont pas comme nous, ça c'est pas. Bordement orbital. Il faut bordement total. On n'hésitera pas si une planète nous attaque. Migration. Uniquement pour notre espèce à nous. Réimplantation autorisée. Droit de vote uniquement pour nous. Protocole de premier contact agressif. Très très bien. Bon, bah, typique de l'espèce humaine, hein. On va pas se mentir. Le vaisseau là qui fait rien là, sur Elnat là. Tu vas construire une station d'exploitation ici. Situation log updated. Research complete. Voilà, j'ai été trompé le bouton comme un crétin. Technologie en société, donc on va faire protocole nouveau monde pour la colonisation. 22 mois par contre, j'ai le temps d'accumuler les ressources. Maya, je sais pas ce qu'il y a, on va explorer Maya.
Istramar a l'air intéressant, et Maya aussi, donc à la limite. Si on peut implanter un nouveau poste frontalier ici pour entourer le Commonwealth Bookie. Procyon. Est-ce qu'on arrive à pourrir leur station spatiale? Enfin, là, c'est pirate. Toujours en cours, bon, on gagne. Situation log updated. Nouveau alien. Hostile fleet. Situation log updated. Investigation. Eux, ils évacuent. On va les faire. Prochain. On prend les débris sur Procyon. On va essayer de récupérer les débris spatiaux. Si on peut essayer d'exploiter des ressources. Notre flotte militaire de Procyon, elle a gagné. On va leur envoyer. Anomalie découverte. Ben, recherche. Vous êtes sur place, les gars. Ben, recherche. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? J'ai que 5 vaisseaux, par contre, j'ai pris bien bien cher en termes de. Vaisseaux de colonisation. Donc, il faudra 350. C'est 350 vaisseaux de colonisation. C'est cher, je sais. Enat ici. On va développer. On n'a rien trouvé d'intéressant, dommage. Là, c'est bien intéressant pour les recherches sociétales. 6 points, c'est pas des négligeables. Sur Sirius. C'est peut-être là que j'ai envie de coloniser. Braix. C'est pas terrible. Hein. C'est un projet spécial pour étudier les entités cristallines. Faut vraiment essayer de découvrir le plus de choses sur toutes les espèces aliens. Il y a tellement de choses dans l'univers que. Debris analyzed. Research complete. Voilà, débris analysé. Nouvelle recherche. Déflecteur. Ah, des boucliers. Ça, ce sera intéressant. Construction complete. Sur Terre, on a, la file est vide. C'est une nouvelle corvette. Anomaly found. Recherche sur anomalie, 45% de risque d'échec quand même. Un objet tourne rapidement autour d'elle. Là, il y a une nouvelle population qui a se développé, ça va être très très bien. Construction complete. Ici, on va développer encore notre vaisseau. Il veut construire. L'énigme mérite d'être résolu. Un objet en céramique tout autour de l'étoile. Situation log updated. Construire cette minière là dans les astéroïdes. Le scientifique à Procyon, il va rechercher les débris des pirates, qui avait une flotte pirate et une station spatiale, donc voilà. C'est une série, c'est quand même assez intéressant, on va pas se mentir. Après, c'est d'explorer Thalassus, les étoiles qui sont là, sans en savoir plus sur le secteur là. Ce que j'aimerais bien à terme vous dire, ce serait m'emparer du bras là. Si cela cherche la merde un jour, on leur défoncera la tronche. De toute façon, j'aimerais éviter, ils ont quand même 4 lettres, j'en ai que. Je suis découvert, c'est très très bien. Le vaisseau scientifique qui fait rien là. Je vais faire, il va aller m'explorer le système là. System survey complete. Ici
Astérion, donc mon vaisseau scientifique ici. Je vais faire un peu de recherche, voilà, tu vas explorer ça. On va découvrir un vaisseau scientifique ici. Un peu d'autre. Recherche scientifique cristalline. Découvrir les artefacts des yutes. Construire un pot d'observation, production des ressources. Oui, ben. Pour que le nouveau monde, il faut absolument que je recherche ça. C'est fini. Ah bah non, c'est occupé pour l'instant à cause de la recherche des céramiques improbables. Special project complete. Mettons des informations pratiques, puisque on a découvert des informations sur des entités de cristal qui sont indestructibles apparemment. Anomaly found. Recherche une anomalie sur Thalassus. De recherche ici. Hop. Ici, donc on va développer. J'ai pas. J'ai sur la terre. Les colons Yut. Eh ben très bien. Situation log updated. On va découvrir l'information sur les colons Yut. Ici sur terre. On va. Dans ce passeport, on va reconstruire des corvettes, on a besoin parce que l'espace a l'air hostile et puis si toutes les certaines civilisations sont comme les nôtres, comme les hégémoniques ici. Ça me plaît pas du tout. Donc c'est fini quand là? Oh c'est rien improbable, c'est terminé quand ce truc. 428 jours. Artefact Yut. Construction complete. Pourquoi je suis occupé avec le projet? Je comprends pas pourquoi je suis occupé avec le projet, qu'on peut pas mener deux choses en même temps. Bon, bah on va continuer à développer l'économie, hein. J'ai un vaisseau de construction qui fait rien à Sirius. On va construire un avant-poste frontalier ici, autour des étoiles. On va revendiquer ça. Si on peut couper la route par ici. Scientifique là, des organisations abandonnées, on étudie ça. 36%, oulala. Ça va être long, hein. Je vous le cache pas, ça va être très très long. Donc voilà, la flotte là, elle va rester 302 navires. 302 en puissance de feu et 12 navires. On va pouvoir la construire des corvettes après Research tout. Complete. Recherche complétée, voilà. Nouvelle recherche, ce sera sur. Contre-mesure active. Ah, on va avoir des sentinelles de défense, ça c'est intéressant. Alors eux aussi colonisent, donc. Pas de raison qu'on. Pareil, merde. Construction, où est-ce qu'on peut développer quelque chose? Où est-ce qu'on peut pomper des ressources? Eh bien on va faire... Développer les stations de recherche ici. Project complete. Les Yutes n'ont jamais franchi la barrière unique. Ils utilisent la cryotechnologie et tirer profit de leur longévité pour étendre leur empire des étoiles. Intéressant. On est toujours en train de recharger de céramique improbable là. Terminé quand votre truc 83%. Bon ben voilà. C'est ça par contre, après il va rentrer sur la planète pour être réparé.
Il continue d'étudier ce vaisseau-là. Intéressant. Des arthropodes sur la tête de maître. Sérieusement, ces arthropodes immenses. C'est incroyable que des civilisations d'arthropodes puissent quand même se développer à ce niveau technologique, hein, faut être honnête. Élection bientôt, je sais pas. Special project complete. Oh, ça, on a servi à rien. Oh là là, ça m'écœure. Tout ce temps perdu pour rien. On va réparer la flotte quand même pour l'instant. Ah, c'est écœurant. Bon, bah, au moins, bonne nouvelle, on va pouvoir essayer de reprendre la colonisation. Situation log updated. Plus d'énergie? Ah. Donc, sur notre Terre, la planète Terre, il va falloir donc que. On développe la construction d'énergie, voilà. Faire une nouvelle centrale. Je me moque de la ressource technologique, là, demander aux gens physiques. Pour l'instant, c'est vraiment l'énergie sur la recherche ici de la terre industrielle. Ah, ici. Il faut un leader pour faire de la recherche de système. L'Istramar ici. Pas grand chose d'intéressant. On va pas se mentir. Vraiment, ça va falloir, ça va être exploité. Construction complete. Plutôt Sirius. Special project complete. C'est quoi intéressante? Un artefact Ute récupéré. Où est-ce qu'on peut trouver d'énergie? On va aller sur Procyon pour construire de lumière. Bon, les autres là ils s'étendent. Waouh! Recherche sociétaire, voilà donc. Capacité navale plus 10%. Construction complete. Et on a donc fini développer les vaisseaux de colonisation. Intéressant. Mais par contre sur Terre là, on va prendre un décret. Surcharge de capacité pour avoir plus de crédit énergétique, plus 15%. On a limité notre casse. Et je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc j'espère que l'épisode là vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.